Alors, pour Karim Sport, en direct avec Nicolas Zénon, attaquant victorieux aujourd'hui de la Juventus. Si tu peux nous donner tes impressions. Ben aujourd'hui, match très difficile. Match très difficile. Une belle équipe de la Gauloise. Aujourd'hui, on était venu vous gagner, chasse faite, et puis voilà. Donc la Juventus, Nicolas, qui prend après ce résultat la tête hein, de cette poule. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? On est très content, on est très fiers, puisque ça fait longtemps que la Juventus n'avait pas été promis en division d'honneur en R1. Donc ça nous tenait à cœur de prendre la première place aujourd'hui, et puis voilà. Et comment se sent Nicolas Zénon? C'est toujours une petite question. Un attaquant qui gagne, mais un attaquant qui ne marque pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une petite frustration chez toi? Bon, quand on est attaquant, pas chez soi pour marquer des buts. Mais après, la victoire, ça fait du bien, donc voilà. Une petite déception de ne pas avoir marqué. Mais... Alors justement, il y a une action à un moment donné où juste après le but, tu pars seul et à refaire. Est-ce que tu fais le même choix? Comment tu te positionnes sur cette action-là? Bon, après je pars seul devant les buts. Il y a mon coéquipier qui m'appelle. Il m'appelle à plusieurs reprises, donc je me suis dit qu'il est seul. Donc j'ai fixé et puis j'ai cassé, mais il y avait un défenseur, dommage. Si je savais, je me frappais. Ok, merci à toi Nicolas et bonne continuation. Merci.